ضيفنا اليوم هو سوسيولوج وبوليتولوج جينا من فرنسا، عنده الدكتوراه في العلوم السياسية من عام 1995 من جامعة مارسيليا. في أول الكارير متاعو خدم في ليغامسي في تونس، ومن عام 1999 بدأ يخدم كشيرشور في السنتر ناسيونال دو لا ريشيرش سيانتيفيك. هو اليوم ديريكتور دو ماستر اكسبرتيز بوليتيك كومباري في سيونس بو في اكس ان بروفانس. هو اللي مغروم برشا بتونس، نلقاو عنده برشا كتب عليها كيما لو سندروم اوتوريتير، حبيب بورقيبة لا تراس اي ليريتاج، وكيما زاد لا ريفانش دي بوبلز عرب. مش نطول عليكم برشا، ضيفنا اليوم هو فانسون جيزير. عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا وين ما كنتوا. وقعدوا معنا 5 دقائق تعرفوا فيهم اكثر في اجابات 5 اسئله في برنامج اسمه امورك 55. كما كنتوا تشوفوا ضيفنا اليوم فانسون جيزير، شيرشور سنتر ناسيونال فرونسي دو لا ريشيرش سانتيفيك. اليوم باش نحكيوا معاه على الوضع في تونس ما بعد الثوره. هو اللي قاعد يعمل في ديزيتود على الشانجمون اللي صايرين في الجهه نتاعنا الكل، نحكي بيان سور على الريجيون مينا. فانسون جيزير مرحبا. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, vous êtes en train d'étudier tous ces changements qui sont en train de se passer dans toute la région, hein, la région MENA et bien sûr la Tunisie. Donc moi, je vais commencer par ma première question. Comment vous évaluez ce changement qui est en train de se passer en Tunisie ? Je pense qu'il ne faut pas voir que du négatif et en même temps, il ne faut pas être dans l'idéal. Il y a eu quand même des changements qui se sont passés depuis 2011. Il y a quand même des institutions démocratiques qui ont été construites. Il y a une constitution qui est quand même une constitution qui fait modèle. C'est pas simplement un modèle pour le monde arabe, contrairement à ce qu'on dit, mais c'est aussi un modèle constitutionnel pour le monde entier. Il y a aussi quand même, et la preuve c'est qu'on est ici, il y a un retour de la liberté d'expression, un espace public, des médias qui ont été créés, des médias indépendants. Il y a une liberté de parole. Il y a aussi une création artistique qui s'est développée. Mais il y a aussi, je dirais, un aspect plus négatif, c'est que beaucoup, en 2010-2011, s'étaient mobilisés sur les questions d'égalité, les questions de redistribution sociale et de la réduction des fractures régionales, notamment entre l'intérieur du pays, la capitale et la côte. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que beaucoup attendaient que cette révolution allait changer leur vie, et cette révolution ne change pas toute leur vie. Donc il y a aussi des désillusions, il y a des déceptions, mais je pense que malgré tout, ces désillusions peuvent être porteuses de nouvelles utopies, de nouveaux changements aussi. Donc il ne faut pas tout voir en négatif, même s'il ne faut pas tomber dans cette idée qu'on entend souvent dans les médias occidentaux, tout va bien en Tunisie, c'est le modèle de la démocratie dans le monde arabe. Voilà, donc ne pas un discours trop idyllique, ne pas un discours très négatif, mais la Tunisie change et la Tunisie a retrouvé une certaine créativité d'une certaine manière et elle est beaucoup observée par les autres peuples de la région. Très bien, donc moi ça va me mener à ma deuxième question parce que vous avez parlé de ne pas idéaliser, de ne pas être pessimiste. Je vais prendre, si vous voulez, point par point. Parlons de démocratie, vous trouvez que la Tunisie a réussi quand même ce pari de transition démocratique ? Elle a un socle d'institutions démocratiques, mais les pratiques ne sont pas toujours démocratiques. Parce qu'il y a les institutions, il y a les mentalités, il y a les attitudes, il y a les comportements. Et là, il faut, je pense, davantage faire confiance à cette nouvelle génération. Je pense que les nouvelles générations, les jeunes, n'ont pas leur place encore, n'ont pas suffisamment leur place en Tunisie. Et c'est dommage. Troisième question, c'est dû à quoi ? C'est dû, c'est qu'on a eu des élites, alors que ce soit des élites d'opposition ou des élites du pouvoir, ce sont des élites qui regardent sous leur nombril, comme on dirait en français, qui regardent leur ventre, mais qui ne regardent pas vers cette jeunesse. Il faut aujourd'hui que les partis politiques, il faut que les mouvements politiques et les institutions, on dit qu'il y a des quotas pour les femmes. La Tunisie est un exemple de ce qu'on appelle la parité entre hommes et femmes dans la représentation politique. Il faudrait peut-être une parité au niveau de l'âge. Pourquoi pas voilà. Ça me plaît, la parité cette idée, de l'âge, elle est aussi importante. Et c'est pas le problème pro-pouvoir ou anti-pouvoir ou opposition pro-régime, mais c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, ces nouvelles générations qui regardent vers l'avenir, c'est elles qui vont faire l'avenir de la Tunisie. Et pourtant, elles sont quand même très absentes aujourd'hui dans le cœur des institutions tunisiennes. Très bien. Vincent Jesser, vous avez déclaré que vous craignez peut-être un durcissement sur le niveau sécuritaire. C'est dû à quoi cette conclusion ? À beaucoup de choses. Vous savez, la question sécuritaire, ce n'est pas propre à la Tunisie, à la région. Nous aussi, nous connaissons un durcissement sécuritaire en France, à la question du terrorisme, ça c'est clair. La question du terrorisme a fait beaucoup de mal à la Tunisie et continue à faire du mal à la Tunisie. Mais aussi parce que je pense que quand on a des gouvernants qui n'ont pas confiance, ils ont parfois tendance à prendre des méthodes un peu dures. Donc là, il faut que les gouvernants, même s'il y a des manifestations, même s'il y a des protestations, qu'ils essayent de les comprendre. Je ne dis pas qu'ils doivent tout approuver, je ne dis pas qu'ils doivent répondre toujours positivement aux revendications, mais ils doivent essayer de les comprendre et ne pas dire que c'est simplement des criminels, des délinquants. Comprendre ne veut pas dire approuver, mais au moins
psychologiquement comprendre que ceux qui manifestent, ce n'est pas simplement des bandits, des délinquants qui la nuit sortent pour casser. Les casseurs ont aussi un message à faire passer pour la Tunisie, pour l'avenir. Très bien. Moi, ma dernière question, vous avez parlé de terrorisme à cette tendance internationale, les phénomènes comme Daesh et autres, ils ont créé aussi un contre-phénomène, une réaction qui est la croissance de l'islamophobie en Europe, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. À votre avis, comment il faut peut-être agir ou réagir par rapport à cette image? Alors, vous me posez une question qui touche à mon dernier livre. Absolument. Les mobilisations. C'est pour ça qu'elle est là. Un de mes premiers livres qui a été connu à l'époque en France, ça s'appelait L'islamophobie. Mm-hmm. Et le livre le plus récent, c'était les mobilisations musulmanes face au terrorisme. Il faut que les musulmans prennent la parole, tout simplement. On accuse les musulmans de ne pas condamner le terrorisme. C'est faux. Les premières victimes du terrorisme aujourd'hui, du djihadisme, ce sont les musulmans. Même en France. Vous savez qu'à Nice, un tiers des victimes étaient des musulmans. La première victime était une musulmane croyante. Et là, je crois que c'est important que les musulmans disent, en gros, nous, on n'a rien à voir avec eux, mais aussi le montrent. Hein, parce qu'on les accuse de ne pas condamner le terrorisme, c'est faux. Aujourd'hui, on le voit bien, ces initiatives. Il faut que ce soit aussi des initiatives citoyennes, pas seulement des initiatives de l'armée, de la police. Il faut que les citoyens défendent leur projet de société face aux terroristes et qu'ils prennent la parole. Donc la meilleure façon de lutter contre l'islamophobie, c'est de parler, de faire des émissions, de créer, de faire des œuvres d'art, de faire des œuvres de cinéma. Répondre à l'utilisation d'islamophobie et répondre au terrorisme par la reconquête de la parole publique. Je vous remercie beaucoup. Vincent Gesser, chercheur Centre National Français de Recherche Scientifique, merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Très bien, je vous remercie. شكرا لكم انتم اللي تابعتونا. Merci beaucoup. لناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا بيان سور. أمل ربيع علوي شكرا لك سكولا. كنت معكم زينب ملكي. خليكم مع بقية برامج EFM.